Eh bien, Jennifer m'a ramené la collection de petits trucs Playmobil de ses enfants dont il ne se servait plus. Et dedans, je vais trouver plein de petits trucs pour égayer mon village. Là, par exemple, j'ai fait des trucs pas bien, genre la pollution de la rivière avec des vieilles bouteilles. Alors, je me suis fait un petit délire hein, pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la pollution de la nature. Hein. J'ai fait un shoot dans ma rivière. Hein. Avec des petits trucs Playmobil que Jennifer m'a donné tout à l'heure. Donc je me suis amusé à faire un shoot dans la rivière. Et là, ici, il y a une personne qui ramasse les ordures. Hein. Elle les met dans la caisse. Donc là, toute cette partie-là a déjà été dépolluée, hein, sauf les deux bouteilles qui sont là. Et là, au fur et à mesure, on est en train de dépolluer le bord de la rivière, qui a encore bien besoin. Hein. Regardez ça, c'est vraiment le shoot sauvage. Donc voilà, pour sensibiliser les gens. À faire attention quand on est dans la nature. Hein, pour Alors j'ai décidé de faire une route hein, pour faire passer les voitures, donc j'ai pris une largeur en posant deux voitures l'une à côté de l'autre. J'ai utilisé du liège de fine épaisseur que j'avais, hein, et donc j'ai fait une première épaisseur de la route avec ce liège. Voilà. J'ai calculé pour que les voitures hein, puissent se croiser. Voilà, donc j'essaie de faire à peu près cette largeur de route. Hein. Et j'ai mis sur une épaisseur comme ça ici, je pourrais mettre des petits cailloux pour séparer, pour faire le bas-côté de la route. Alors par-dessous, je mettrai le papier de verre noir que j'ai acheté. Ça fait vraiment comme de la route. À cet endroit-là, j'ai coupé le ballast hein, avec le cutter. Donc j'ai coupé d'abord dans ce sens-là, ensuite comme ça, pour pouvoir faire la traversée par la voiture. Donc, route va traverser, la voiture va traverser ici. Donc là, ici, je vais couper aussi. Ensuite, je mettrai, vous vous souvenez, le liège plus épais ici. Et là, je vais l'atténuer pour que ça fasse une petite pente hein, pour aller de là à là. Alors, on va installer la route. Hein, donc, c'est du, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est du papier de verre hein, qui va servir à faire la route. Et bien voilà, la partie route a été faite avec la jonction avec la voie ferrée. Hein. J'ai tout simplement mis un tout petit bout de papier de verre sur le milieu hein, pour faire vraiment la route qui passe à travers. Là, j'ai un petit peu de silicone qui est tombé. Et en fait, ça fait bien. Ça fait comme s'il y avait une tache d'huile sur la route. Ça fait sympa. Et bien voilà, petit update hein, de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, les téléphériques. Là, j'ai fait une partie du haut. Alors, la partie route hein, qui est commencée. Alors, on va regarder le shoot maintenant. Alors, voilà la partie où j'ai rajouté des choses. Hein. Et donc, le shoot là, avec les choses qui sont dans l'eau et tout, et la personne qui ramasse. Là. C'est horrible la pollution quand même qu'on peut faire. Le petit panneau à Gondange. 605 km, parce que j'ai calculé que la distance entre Agondange et Chamonix, c'est 605 km. Voilà, là j'ai mis une princesse avec son chien sur le top du téléphérique. C'est kitsch, mais j'adore ça. Là j'ai remis un petit poisson dans l'eau. Voilà, la pollution, c'est pas beau. Voilà, et l'autre téléphérique descend également. Bon, le train, j'ai pas mis en route, hein, mais voilà, ça progresse tout doucement. Hein. Et là, c'est vraiment pour essayer de sensibiliser les gens à vraiment respecter les rivières. Si on veut que ce soit beau. Hein.